Ouais, Fori Coco, et quelle est mon âme qui ne dira, du qui baille ma ba, hi, le BCS. Ma vie jamais je veux un précis comme celui-ci, même si on est dictateur démocrate, pourquoi insulter devant une caméra, sous ce tome avec son idéologie noire, tant de sectourer les normes, même les becs. Pire, y'a plus à la vie de ma Guinée, est devenue pire qu'occupé. Les normes serrées, les coups d'application, pays coiffé par la corruption. Inalphabète je suis, et qu'elle n'oublie pas Gabarou Larreux. Sorry nana, avec une mauvaise gestion. Et pour les diplômés, peu de job communiquer les informations à ma façon. On ne livre jamais sous ma gouvernance. Pour place, plongée de l'ignorance. Le bureau de Kambaro, mais la présence de Kundara. Ne sois pas étonné, et c'est que tout est crassi. Passé, la sana compte est crassi. Ou des ramara, nauma boum boum po. Alors, enfant de la rue, élève étudiant, jeune diplômé, les lakoudou et défaté. Maman, vous, dont les enfants sont devenus mangiants, brigands, assassinés. Et par faute de ce mauvais gouvernement, notre Negi est pour la sauver. Faut un bilan santo qu'on en chasse ce régime autocrate, dictatorial. La politique, je me mêle pas, mais le bonheur de ma Guinée, je me bats, m'en fous de ma mort. En tout cas, la sana comptait, ce côté n'est pas de ton père, et ça ne sera non plus de ton fils. Tu vois pas? Ma belle Guinée, et tu fais tu sens pas que c'est le moment de quitter, tu vois pas. Ma belle Guinée, et tu fais tu sens pas que c'est le moment de quitter, tu vois pas. Ma belle Guinée, et tu fais tu sens pas que c'est le moment de dégager. Pourquoi référendum? Et plus de 19 ans de pouvoir, changement pas. Les Guinéens qui t'ont élu veulent changement. Et si tu persistes comme tu le fais en le tuant, tu devais rayer la Guinée sur la carte avec des mines ou des bombes comme tu l'as fait pour Guéguédougou avant de mourir. Sinon faire comme Hitler, mourir avec tous tes descendants dans ton clan, sinon tes descendants aussi seront estraminés, tués de la même façon que tous les Guinéens que tu as tués du 3 avril 1994 jusqu'à nos jours. Par jour, ce que ma Guinée perd pas, votre faute. Des milliards, corruption, gouvernement de la Sana Conté, c'est votre vêtement. Vous les malhonnêtes, ennemis de la Guinée, battus en série sont payés. Seulement rebeller les gens contre Dieu. Argent de la nation qui était destinée. Et pour la construction des centres santé, hôpitaux et terrains de foot, créer les emplois, les médias, liberté d'expression, l'éducation, la formation de la nation. Pas question non. De préférence, c'est de rouler dans le voiture climatisé, rue mal contournée, finir la soirée en beauté. Hôtel climatisé, bien sûr, avec nos sœurs dans galère à pousser, à se poser. Tu vois pas, ma belle Guinée, et tu fais tu sens pas, à cause c'est le moment de quitter. Tu vois pas, ma belle Guinée, et tu fais tu sens pas, à cause c'est le moment de quitter. Tu vois pas, ma belle Guinée, et tu fais tu sens pas, à cause c'est le moment de dégager. Au fait, Renard de Président Conté, qu'est-ce que tu veux nous faire savoir? Toi et ta bande d'aboutis, au juste, toujours le même scénario. 19 ans, la Guinée ne fait que s'appauvrir, toujours au lendemain. La faim partout, le chômage, on n'en parle pas. Les jeux se cherchent à l'aventure, les trains au béca de rage, tout ce qui reste en place. Beaucoup d'autres diront plus que ça. Et cette fumée qui toxique les Guinéens, l'usine d'aluminium Afoya, des milliards détournés à chaque période des élections. Le parti de l'Union des pirates PUP. Jusqu'à présent, la Guinée est dans l'obscurité. Pourtant, 100 francs, j'ai payé. Et pour une fausse barrage, Garapiri. De toute façon, j'ai été forcé. Sinon, les 100 francs m'auront servi
et pour un beat, histoire de composer mes textes au lieu de verser dans ce virtuel barrage. Garafiri dans à la une les journaux commentaires tous corrompus et autant. Et quand est-ce Maguine verra le bonheur? En tout cas pas maintenant, ce qui s'est pas passé en 19 ans. Et ce n'est pas en 7 ans de plus et que ça va se réaliser. Alors s'il te plaît, qui baille ma part, dégage le fauteuil.